Alors, dans les zones à haute protection, dans les zones sous haute protection, nous avons imposé les réglementations de notre commune et celles du parc de Cilento. Ce sont des zones dans lesquelles couper les arbres n'est pas autorisé. Notre territoire est recouvert en grande partie de forêts mixtes et d'oliviers, notamment la variété Picciotana, arbres séculaires de très grande taille qui ne peuvent en aucun cas être coupés. Évidemment, la logique commune aux différentes réglementations pour les diverses zones est d'encadrer toutes les caractéristiques biologiques et écologiques du territoire. Indépendamment des réglementations nationales, régionales et communales qui s'appliquent aussi sur le territoire de Cilento et la commune de Serraso, la création du biodistrict et l'adhésion d'autant de communes ont amené des mesures réglementaires plus restrictives allant dans le sens de la valorisation et du développement de l'agriculture biologique. Dans un contexte de soutien global à l'agriculture biologique, les pratiques d'une agriculture saine se répercutent sur le long terme sur l'ensemble des activités du territoire, y compris la façon de construire et d'embellir notre pays qui donne un cadre environnemental excellent.